15 septembre 2017, il est 10h, il fait un peu frais ce matin, nous sommes à Montréal en Ardèche, à côté de Joyeuse. Un maçon amoureux du site a acheté ce château il y a 19 ans et il le restaure seul. Donc l'entrée du château de Montréal. Nous venons d'entrer dans la cuisine. Le salon au 19e siècle se prolonge au nord par une petite pièce fermée. Une cour intérieure, avec peut-être le donjon. Un instrument de torture. Le verger. Et sans doute le donjon. Très haut le donjon. Très haut, très haut, très haut. La façade qui donne sur le verger. Ce four à pain donne sur la chapelle et permettait de chauffer la chapelle. Nous sommes dans l'espace calligraphie. Ici, nous sommes dans le caveau et on ne sait pas à quoi servait cette pièce, si ce n'est qu'elle pouvait peut-être abriter des denrées, elle pouvait servir de cave à vin. On se croirait au Moyen-Âge ici. Tu vois le blason là, il est sur le... Et toi, tu l'as reconnu à l'envers dans la cheminée. À l'envers, oui. Bon, on y repassera, tu verras. Et ça, c'est un concasseur, ça. Ça, c'est pour broyer le vin. Le logis seigneurial. La charpente est toute neuve. La glacière, c'est-à-dire le sous-sol du donjon. Le donjon. Oh la vache! Je croyais qu'on aurait une belle vue. Ah ben non, il faut continuer. Je suis un peu déçu. Le haut du donjon n'est pas accessible, mais depuis là, nous avons déjà une très très belle vue. Le haut du donjon est à reconstruire. Ce qui est curieux, c'est qu'on a, semble-t-il, deux rangées de pierres. Des pierres taillées rectangulaires et un petit peu à l'arrière, des moellons. L'entrée vue d'en haut.
Nous avons entrepris le contournement du château de Montréal. Passage étroit qui contourne le château. Et nous tombons sur une autre tour qui appartient à la commune. Ici, un gîte bien placé. Très belle vue sur la montagne ardéchoise. Les arbres sont malades, ils sont morts. Le donjon du château. L'église de Montréal, avec au fond le donjon du château. Encore un village médiéval, l'Argentière. Nous allons commencer par l'église Notre-Dame-des-Pommiers. Ici, c'est une sous-préfecture et donc c'est logique qu'il y ait, disons, des organismes d'État, parce que c'est une sous-préfecture. Il y a même un collège, ici, collège privé. L'église des Pommiers, d'origine romane, et pourtant entièrement gothisé. Très belle église, parfaitement restaurée. Les chapelles qui sont sur le côté n'ont pas encore été restaurées. C'est tout plafond. Le palais de justice, il ressemble à un temple grec. Et devant nous, le presbytère. Le clocher de l'église Notre-Dame des Pommiers. Une descente plutôt méridionale avec ses palmiers. Une belle maison transformée en collège. Elle date de 1834. Le château est fermé. Il ne sera ouvert que pour les journées du patrimoine. Le château est au fond, alors qu'à droite, nous avons l'hôpital. Le château de l'Argentière, vu de l'autre côté. Place Paul Mercier. L'hôtel de Josselin, il est là. C'est pas terrible comme hôtel. Mais si on descend, on va y arriver au pont de Ricoulet. Hôtel de Vinozac. Un petit ruisseau qui passe à l'Argentière. La ligne. Au fond, le clocher de l'église Notre-Dame des Pommiers. Encore une belle petite rue, la rue de la Coquille. Le petit ruisseau, la ligne et le pont des Récollets. Depuis là, on a une belle vue sur le château. La ville moderne se situe de ce côté. Et nous avons le tribunal qui se trouve caché par les arbres. Et le 13 octobre 1878, la ligne est montée jusque-là. Peut-être une dizaine de mètres.
la maison de l'étoile. À la rue du Château. Maison sous l'année du four. 20 minutes. Un passage couvert. Encore un passage couvert. Merci beaucoup. Encore une rue moyenâgeuse, la rue de la Bannerie. Impressionnant tout ça. Encore une rue avec des arcades. Il y en a partout. Le moulin de la Charité, datant de 1821. Ces maisons sont très peu larges. On se demande bien comment ça tient debout. L'hôtel de ville. La façade principale. Vinezac, le dernier petit village d'Ardèche que nous allons visiter avant de rentrer chez nous. Vu depuis une esplanade en haut de Vinezac. Un petit tour dans Vinezac. Effectivement, il y a une alternance de grès. Il y a sur cette façade une alternance de couleurs différentes. C'est championnat de France, non? C'est super. Rien que pour voir ça, ça valait le coup de faire 3 km de route tordue et pourrie. Ils sont tous plus jolis les uns que les autres, ces villages. On vient de faire l'Argentière, là, l'Argentière. Oh, les marches. Ah oui, c'est beau, hein? T'as vu la voûte, comment elle est? Super. Et bien sûr, nous arrivons sur une église. C'est incontournable. En France, pas de mosquée, des églises. Notre-Dame de l'Annonciation. Magnifique petite église. Et là, nous allons passer rue Noire. Auparavant, un petit coup d'œil circulaire sur cette place où se trouve la magnifique église que nous venons de visiter. Et là, nous sommes toujours rue Noire. Je sais pas où on est parti. Je sais pas où on est parti. Mais ça, ça ressemble vraiment à un escalier du Moyen-Âge, hein. Bien sûr, tout ça est à restaurer. Alors là, c'est très noir. Ici, le château central dit de Charbonnel. Apparemment, c'est un hôtel. Les toilettes publiques. Encore un passage. Est-ce que c'est paisible ? Tout ce qu'on a fait jusque-là valait le coup. Il y a encore plein de villages, tu vois. Il faudrait passer son temps à faire tous les villages, les uns pour les autres.
rue du Puy. Rue étroite. Regarde, il y a un donjon là sur. Ça s'appelle le donjon, c'est peut-être. Le château Julien, c'est peut-être un café, je sais pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Le donjon a été cassé, là. Ah non, 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 c'est le mur. Donc il s'agit encore d'un château. Et la propriété est à vendre à 450 000 euros. La rue du Barry. Donc il s'agit du château sud. Château dit de Julien. Ah mais là, c'est un château entièrement restauré devant parce qu'on voit juste derrière le donjon. Bornes pour recharger les voitures. C'est en secours. Vue vers l'Ardèche depuis le col de la Chavade, tous aux 150 mètres d'altitude, 15 degrés Celsius. Par ici, on bascule vers le Puy. On aurait aimé prendre un café, mais c'est fermé. En septembre, c'est presque fermé partout.